Bien, bonjour mesdames et messieurs. On a voulu cette conférence de presse pour vous faire part des ambitions du Rugby Club Nîmois. Donc c'est pas compliqué. En fait, l'année prochaine, nous souhaitons monter en Pro D2. Et c'est pour cela que nous avons voulu faire du recrutement de très haute qualité. Et je vais laisser la parole à Alexandre qui va vous présenter nos deux grands joueurs bitérois. Donc ça devrait normalement... le faire. Il faut dire en fait que celui qu'on avait recruté ne s'est pas présenté et on l'a trouvé devant la porte, donc il est présent aujourd'hui. Il nous a quand même assez surpris par son gabarit. Son CV malgré tout parle pour lui parce que long passé de pongiste bien évidemment et on espère voilà sur ses capacités de finisseur pour faire la différence l'année prochaine. Ça sera, je pense, le monsieur plus pour cette nouvelle saison. Plutôt que de longs discours, je pense que le plus simple maintenant, c'est de leur passer la parole pour qu'ils puissent se présenter. Qu'on va commencer par Claude. Claude, si tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours rugbystique avant d'arriver chez nous. Bon, alors le rugby, je l'ai surtout vu à la télé, on va pas se mentir. Ceci étant, je suis plus que motivé pour accompagner le Rugby Club Nîmois dans cette future saison. Merci Claude pour cette présentation. On va passer au tour de Jean. Alors Jean, motivé ? Oui, motivé. Enfin, j'ai pas eu trop le choix. Bien. La presse, vous avez des questions ? Florence, Sport Magazine. Claude, vous vous sentez physiquement d'assurer sur le terrain ? Attendez, vous êtes sûr que vous y voyez bien ? Regardez-moi, je suis affûté comme un nouveau cache-caille. Ça fait des semaines que je m'entraîne sur les parkings des concessions. Ça va le faire. Quentin de Ping Pong Magazine. Jean, j'ai pu entendre que vous étiez adepte des très gros plaquages. Vous pouvez me le confirmer ? Ah ouais, les plaquages, c'est mon truc. Moi, je pense plaquage. Hein, Olivier ? Putain, t'es sûr du truc, là ? Ah non, mais c'est catastrophique. Tu m'avais dit donner aux Zélandais. On a un mec qui fait pongiste et l'autre, il fait 35 kilos, quoi. On est mal, hein ? Bon, comme vous l'aurez deviné, j'ai pas pu empêcher de vous faire un poisson d'avril. Ce qui n'est pas une blague, par contre, c'est que vous pouvez venir découvrir le nouveau cache-caille aujourd'hui et ici même à Nîmes, en concession, avec prise de commande possible. À très vite.